Chaîne YouTube la Mino Mi Media les lopez à tous les bongo na morgue yangaliema et si kawa piba et kobisa nzoto ya papa la bisou l'ushiman jate ou à qui pesa journaliste célèbre pour la RTNC ou yé pesa baneko lobe la mini mini tina ya patrie naye congo les lopez à lever du corps et pour sa malona la clinique yangaliema ou bino webi kazaki pesa journaliste proche. Il y a peu perdu, les lois ont discuté. Donc, si vous voulez quelques interviews pour tout le monde, vous pouvez. Thank you.
c'est trop. Elle est dans la brise errante, qui ça est là? Répare les sentiers très fiaves de riz, de manioc, de maïs et de miel. Elle est dans la ria qui fait danser l'emblème de la patrie. Elle est dans l'onde adorée du lac Tanganyika, dans l'onde poissonneuse du majestueux fleuve Congo qui, nuit et jour, coule, coule aux pieds odorants d'arbres et de montagnes. Elle est dans les tonnerres, dans le versement feutré de la pluie sur la paille qui domine les silences. Poème de Lushima Njate, contenu dans le recueil intitulé Mots de cristal, chant d'éveil patriotique. C'est un recueil dans lequel il a signé avec une pléiade d'autres grands poètes de notre pays. C'est donc par là que nous allons commencer notre cérémonie. Des personnalités en votre qualité respective, agents et cadres de la RTNC. De prime abord, nous voudrions vous remercier tous d'avoir accepté de disposer de votre temps pour venir compatir au malheur qui a frappé la radio publique nationale congolaise. Monsieur Lushima Njate, Jean-Pierre, que nous plairons aujourd'hui, a été engagé à la RTNC en 1998 et affecté à la direction de production TV où il a co-présenté l'émission Top Gaieté, c'était une tranche. Ensuite, il a commencé à présenter l'émission Congo Histoire, qui est une émission très connue et très prisée par différentes personnes. En 2017, après la mise en place de cadres effectués par les conseils d'administration, M. Lushima Njate a été affecté à la RTNC3, à la direction de production TV, en qualité de chef des services chargés de la production éducative et du développement. Et donc, c'est un cadre compétent et valeureux qui vient de nous quitter. C'est une grande perte pour la RTNC. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas nous opposer à Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. Nous ne pouvons que demander à Dieu de bien vouloir recueillir son âme. Je vous remercie. Vive le chemin d'Athènes! Le Dieu qui fait la terre des hommes alors que nous avions toujours besoin de lui. Il est pour accompagner ce réveillement. D'administration de la radio-télévision nationale congolaise, notre programme s'arrête ici. La suite du programme, c'est en la salle La Miséricorde, juste à côté de Izipa, non loin de la radio-télévision nationale congolaise. Comme quoi, Lushima quitte la radio, il est toujours à côté de la radio. Nous vous remercions. Merci d'avoir été avec nous.